Et Shema les amis, j'espère que vous allez bien. Et donc maintenant, je dirais Shema en début de vidéo. J'ai pas trop envie de vous dire pourquoi. Peut-être il y en a certains qui vont très rapidement comprendre. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve sur un jeu qui est beaucoup fait actuellement sur YouTube, qui est donc Strongman Simulator. Je vous mettrai le lien dans la description pour les gens qui sont intéressés. Par contre, franchement, même si c'est pour ne pas jouer au jeu, franchement, connectez-vous à ce jeu juste pour regarder le skin que vous avez. Mais je ressemble à un ficello. Vous savez, moi je suis, vous savez, le sort de petit truc, la petite cale-porte que vous mettez en dessous de votre plaque. What the fuck? C'est quoi ce géant? Mais voilà, je... Là actuellement je soulève rien du tout, là j'invoque Thibaut InShape dans cette vidéo. What? Attends, mais c'est moi plus tard ça. Ça c'est moi plus tard les gars. En tout cas, je me suis pas spoil sur le jeu, mais bon, je suppose que c'est un peu comme un peu tous les tycoons. Oh, attendez. Il y a des sortes de petites énergies, ça veut dire quoi? Que j'ai besoin d'énergie et j'ai un éclair au-dessus là, donc je crois que je peux pas faire ça tant que j'ai pas... Ah si, je peux. Oh. Regardez. Mais what the fuck, mes mains ils traversent ma tête, j'ai plus de cervelle. Mais non. Moi je veux soulever des pneus. Je vais être la femme la plus forte du monde. Click to work out. Ah, peux-tu faire une offre? Non, c'est bon, ça ira. Par contre, non, je pense qu'il faut que j'aille là. Il y a les petites flèches. Ok. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Ah, d'accord, je suis accrochée à une... Oh, mais c'est méga dur! J'ai une flèche, j'ai une corde qui sort de mes fesses pour tirer une plume. Ah ouais. Ah, est-ce que c'est normal? J'ai dû sauter pour avancer? D'accord, faut peut-être faire comme ça. Ah d'accord, et ça te donne des petits éclairs jaunes. Et est-ce que je peux passer en dessous? Non, genre, mais vas-y, accroupis-toi. Tu es un peu trop grande. Excusez-moi, je fais 2m10. Grab. Ça veut dire on l'attrape. Ah, faut que je le pousse, mais... Je suis pas assez forte, je parie. D'accord, ok. Donc il faut que je retourne là-haut. Et maintenant, il me dit sûrement de... faire des exercices pour pouvoir être plus forte et ainsi pouvoir pousser cette méga grosse poubelle. On va faire des squats. Oh, je vais devenir une fitness girl. Je vais faire des placements de produits pour des protéines. Ok, ça marche comment? Ça a pas marché? Ça a pas fonctionné? Comment ça marche? Ah, ça m'a fait peur quand même. Ok, on a reçu... Ah d'accord, il faut cliquer ensuite. Les gars, faut utiliser la souris. Et vous faites des squats. Est-ce que j'utilise toute mon énergie pour les squats? Ah si, je pense que je peux, mais ça m'en consomme de plus en plus, comme vous pouvez le constater. Et là, je ne peux plus. On a fait des squats, c'est bon. Oh, on aurait dû faire ceux-là. Ceux-là, ils ont l'air d'être beaucoup plus gros. Moi, je veux faire ça. Oh non, mais je les ramasse, ils deviennent tout petits. C'est de la triche. Nul. Nul. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on va aller tirer cette benne. On va changer de métier. On va devenir éboueur. Bonjour, monsieur. Good job. Oh, lui, il est heureux. Ah, mais regardez mes bras. C'est moins de ficello. Mais bon, c'est pas encore du T-Bone Shape ou du Juffy Cat. Allez, on chope, hop, cette énorme poubelle. Comme si on pouvait pas passer en dessous. Ah, je vais essayer de sauter. Ah bon? Bah je ne peux pas, j'ai toujours pas assez d'énergie, comment ça? Bah qu'est-ce que... Ok, bah apparemment je ne peux pas encore le faire, je n'ai pas assez d'énergie. Donc je ne sais pas combien il faut. Ah mais attendez, on peut pousser différentes choses. On va essayer le petit canard en caoutchouc. Bleu j'allais dire, mais en fait il est jaune. Ah mais c'est trop facile maintenant, je suis trop forte. Et là, ça nous donne, d'accord, des énergies pour pouvoir s'entraîner à la salle, au temple. What the fuck, vous avez entendu le bruit des toilettes? What? Pourquoi il a qu'un... Il m'embarque! Le mec, il a embarqué mes toilettes avec lui. Bon, moi, ça m'a fait gagner. Hein. Moi, il n'y a pas de problème. Mais vous avez vu? Mais là, c'est clairement Madame Toilette, ici. C'est clairement elle qui a créé le jeu. C'est pas possible autrement. Mais non, mais ils sont... Ah ouais, par contre... Par contre, les gars, j'arrive pas à tirer la toilette.
Ah oui, en fait, je peux la prendre plusieurs fois. D'accord, je comprends mieux. Mais en fait, le mec, il m'a clairement aidé tout à l'heure. Mais là, genre, hop. Je prends 4 canards. C'est un peu galère quand même, les 4 canards. Ah ouais, c'est même un peu beaucoup galère. Je vais y arriver. Petit à petit, le canard fait son nid. On va y arriver. Non, mais ce jeu, j'ai commencé à être addict. Hein. Je peux pas jouer à ce genre de jeu, c'est pas possible. Hein. Ok, on arrive à la ligne de fin. Non mais le mec, il faut qu'il revienne le mec, le super musclore là, le Hercule. Qui me pousse mes toilettes. Bon, on va workout. Moi je veux les pneus les plus énormes. Ceux-là, là, là. Ah non, je peux pas les prendre ceux-là. Bon, de toute façon, il va devenir minuscule quand je vais le prendre. Voilà. Allez. On va utiliser tout. Et je me demande combien qu'il faut pour passer la première pièce. On va essayer au moins de la faire dans cette vidéo. Alors, on n'a pas vraiment d'indicatif, j'ai l'impression. Si, à droite ici, en haut à droite, on a un indicatif qui nous montre notre force. Donc je suis clairement la plus nulle du temple là. Clairement, je suis nulle. Je suis que à 22, je dois avoir un très bas niveau. Je veux... Ah c'est bon. Ah bah c'est bon. Ok. Et là, ils disent pour me téléporter dans la prochaine pièce. Enfin, dans la prochaine... zone, il faut avoir 50 de force. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut 50 pour pouvoir pousser le truc. On va essayer. On va quand même essayer. Dans le doute. On sait jamais. Oh mais easy peasy, mais je suis trop forte en fait. Voilà. Regardez. Regardez-moi ça. Ok, prochaine étape. Ah, oh. Bah il y a un mec qui est en train de faire la danse de Fortnite là-haut. Je sais pas si vous voyez. MDR. Et là du coup il y a quoi? Medicine Ball. Ici c'est quoi? Cage Ball. Ah mon anglais est magnifique. Oh, Protein Shaker. Bon ça je peux... Quoi? Le Shaker? Mais non, le Shaker il est trop lourd pour moi. C'est une blague ou quoi? Je suis nulle à ce point. Ok, on laisse tomber. Je pense que c'est le plus léger qu'il y a dans cette pièce, ça doit être celui-ci. Ah par contre il y a un autre workout ici. Mais je pense que c'est le même qu'il y a là-haut, sauf que c'est pour éviter de bouger de trop loin, entre guillemets. Bon, je pense qu'il faut qu'on vienne là. Ah non, attendez, non, non, mais ça c'est une balle. On devrait pouvoir la pousser. Je pense que c'est le plus léger ici. Ah ouais, c'est chaud quand même. Ah ouais, dur. Ah ouais, même la balle de place, je la pousse pas. Attendez, j'ai pas pris genre... Mais attends, ah mais non, mais j'en ai deux, c'est peut-être pour ça. Et une... Ouais, une non plus. Ça passe pas. Mais j'ai l'impression d'avoir pris encore des bras depuis tout à l'heure. Enfin, du torse peut-être. Oh, je me suis mangé un mur. Je pense que là, pour le coup, c'est un peu du torse que j'ai pris. Mais les bras, ils ont pas bougé, je pense. Je pense que c'est une impression, mais que ça doit être le torse. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de prendre deux toilettes. Non, mais ces bruits de prout, ça me fume. Ah ouais, deux toilettes. Oh, si on fait comme ça... Mais bon, je pense que je vais perdre plus de temps qu'autre chose. On va en prendre un. Un, c'est easy. Et du coup, je vais devoir en faire plusieurs fois comme ça. Mais attendez, j'ai reçu plein de... attendez. On va s'entraîner, on a reçu plein de... Mais c'est à quel moment que j'ai reçu des énergies? Je suis même pas au courant. Ça, c'est... Attendez, ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est... Je dis ah, mais en fait, non. C'est quoi, ça? C'est pour obtenir des objets. Workout, pets. Mais attends, moi, je veux un pet. Comment ça, il parle de pets? On va avoir des pets, ici. C'est ça, pet shop. Et je veux un pet shop. Attends. 500. Bon, c'est peut-être... J'ai pas assez. J'ai pas assez. Et énergie. Ah, ok, ouais, non, c'est payant. Et vu que... je suis pauvre, je n'ai pas d'argent. On va éviter. Mais bon, on va faire des squats. Et regardez-moi. Et j'ai bientôt les fesses à Kimka, hein. Regardez ça. Si ça continue... Bon, mes jambes, ça reste des ficellos, mais... On avance. On avance. Est-ce que je peux prendre la balle, maintenant? Enfin, selon moi, c'est ce qui est censé être le plus léger, ici. Après, peut-être que je me trompe. Ah, on y a... C'est dur. C'est dur, mais on y arrive. En sautant, je pense... J'ai pas... Non, je... Combien? Ah ouais. Nice. Bon, avant de finir cette vidéo, j'aimerais bien quand même tenter de voir si les pets, ça ressemble à ce qu'il y a sur le distributeur. C'est-à-dire, un pet, c'est quoi? C'est un shaker? C'est une balle?
C'est quoi leur bail là? J'ai pas tout capté. Allez, un petit dernier. Et ensuite, je pense qu'on aura assez pour tenter un pet. En soi, je m'en fous un petit peu lequel, hein, on va pas se mentir. Si c'est ce qu'il y a mar... enfin, si c'est les dessins qu'il y a dans le distributeur, bah c'est pas... Pas que ça m'intéresse pas, mais bon, c'est pas... C'est pas un truc de fou, quoi. Ok, on a ce qu'il faut, on va aller voir... Attends, c'est quoi le prochain truc? Une protéine bar à pousser, eh ben... Moi, je te la graille, la protéine bar. Et donc, ici, on va tenter. Un shaker. Ok. Donc, il rigolait vraiment pas. Mon pet, c'est un shaker. Ouais, mon pet, c'est vraiment un shaker. Non, c'est vraiment pas une blague, les gars. Regardez, je vais aller sur le jaune, on le verra mieux. Mon pet, c'est vraiment un shaker. Ah, et le système est à peu près le même que sur d'autres simulateurs Tycoon et compagnie. En gros, si je chope 6 shakers, je peux les combiner pour avoir un shaker qui est meilleur. Et on peut équiper jusqu'à 2 pets sur soi. Donc c'est intéressant. Ça nous donne quoi? Ça nous donne de l'énergie 5.0. Alors je sais pas si c'est x5 ou comment ça fonctionne. Comment je fais moi pour fermer là, s'il y a le truc... Ok, non, c'est intéressant. Bon, on va tester de reprendre exactement la même balle. On gagne 200 d'énergie. Et on va voir combien en bonus on gagne grâce à ce shaker. Oh, ok. Non, c'est vraiment 5. Bon, c'est pas fou, hein. On va pas se mentir, c'est pas foufou, hein. Peut-être que aussi j'ai le pire des pets que je pouvais avoir. Et du coup, je gagne pas autant que ce que je voudrais. Ou peut-être aussi qu'il faut l'évoluer pour qu'il devienne bien, bien meilleur. Alors, est-ce que c'est intéressant au début de s'investir dans un pet? Je ne pense pas. Mais bon, en tout cas, il est mignon. Et au moins, il m'apporte à boire. Et il m'apporte de l'eau. Bon, bah écoutez... Moi, je vais m'arrêter là pour cette découverte. En vrai, c'est vraiment le genre de jeu où il faut que j'arrête de jouer tout de suite parce que sinon, je vais y passer toute la nuit. J'adore ce genre de jeu. Donc bon, on va se calmer. Mais en tout cas, comme vous pouvez le constater, le haut de mon corps est devenu énorme. Je suis vraiment... bah, comme Désolée, hein, Thibaut InShape, mais je suis comme Thibaut InShape. Je suis hyper musclée en haut et en bas, j'ai mes jambes, c'est des baguettes. Oh. Oh, c'est bon, hein, je rigole. Allez, les amis, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à vous et ciao, ciao.